bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Comment va-t-elle ce matin? Ça va très bien. C'est la première fois, je pense, que je vous vois à l'accueil, hein, ici à l'auberge. J'étais ici il y a 3 ans, je crois, 3-4 ans, peut-être. Oui? Oui. Oh, je me souviens pas. Ah, oh, vous étiez peut-être avec Marie-Claude? Avec Claude. Oh, je me souviens, oui. J'ai ça en stock. Ah, je ne peux pas avoir ça. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bonjour mademoiselle, j'ai su une grande surprise ce matin. Oui. Vous êtes la sœur de M. Luc Champagne. Bien, oui, c'est bien ça. Et puis, vous êtes en travail ici ce matin? Oui, c'est ça, en bénévole pour la journée. En bénévole, c'est payant ça, hein? Oui. C'est pour cause. Ah, pour une bonne cause. Est-ce que les dons ce matin, est-ce que ça va porter? Est-ce que vous êtes au courant de nos suivants? À date, moi, je suis tranquille de mon côté. Par contre, ceux qui rentrent, là, ils ont l'air à donner quand même. Bon, ben, c'est parfait. Merci. On verra à la fin de la journée. Oui, viendrai nous revoir. Parfait. Okay. Bonne journée. Je demande votre attention pour 5 minutes. La présidente d'honneur, Mme Suzanne Proulx, députée du comté de Sainte-Rose, va vous adresser quelques instants. Mme Proulx. Merci beaucoup, Denis. Alors, ça me fait plaisir de vous personnaliser. Merci à tous les bénévoles de la Papote Roulancée et salutations à M. Benoît qui est là aujourd'hui. Je salue aussi M. Gilbert Bureau, qui est le président fondateur de l'Association des véhicules anciens. J'ai eu le très grand privilège de pouvoir m'asseoir au volant de sa Cadillac, de sa voiture. Alors, salutations à M. Bureau là, d'être si engagé depuis toutes ces années. Salutations à M. Champagne aussi,
président de la région, notamment de Laval, président des véhicules anciens et organisateur, coordonnateur de ce magnifique événement. Et monsieur aussi, Éric Mercier, qui est l'éditeur de notre journal, L'Écho de Laval, qui est partenaire, qui nous a permis d'organiser cette belle activité. Pour moi, c'est une première. Je me suis promenée et j'ai découvert de fins connaisseurs. J'ai découvert des gens qui sont animés d'une passion. J'ai été vraiment impressionnée de voir le soin et l'attention que toutes ces personnes propriétaires de véhicules anciens leur portent. J'ai été impressionnée de la qualité des voitures aussi et j'ai appris plein de choses. J'ai jasé avec les gens qui m'ont expliqué. Quand je vous dis des connaisseurs, vraiment les différences là, de production d'un modèle d'une année à l'autre, des petits détails dans les modèles. Alors, bravo tout le monde. Merci aux gens de Sainte-Rose d'être venus. Par votre présence, vous supportez cette belle activité. Bravo et merci à tous les bénévoles aussi. Et je dis à tous les propriétaires de véhicules anciens, il y a certaines personnes qui me mentionnaient qu'il va falloir de la relève parce que c'est important. En fait, ce sont non seulement des bijoux, ces voitures si bien entretenues, c'est aussi le reflet de notre patrimoine, c'est un peu notre histoire. Moi, je reconnaissais l'auto de mon grand-père, l'auto de mon père. Alors, c'est vraiment important et je trouve ça très, 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 très stimulant. Bravo à tout le monde. Merci de votre présence. Merci. Merci, Suzanne Proulx, députée de Sainte-Rose. Je profite de l'occasion pour vous dire que Les commanditaires sont généreux. Ils nous aident à collecter des fonds ou à couvrir les frais, ce qui fait qu'on donne plus d'argent à la popote roulante à ce moment-là. Et je voudrais les mentionner parce que je pense qu'il faut aller les encourager quand on a l'occasion. Alors, il y a la Caisse populaire des Jardins de Sainte-Rose. Il y a également la compagnie Uniselect qui est très, très répandu dans toutes les expositions de voitures anciennes, hein, sans me tromper. Et pour eux, les voitures anciennes, c'est des bons clients, hein, depuis longtemps. Également, au Bagel Sainte-Rose, on fait tirer 4 certificats cadeaux de 10$ chacun pour aller manger chez Bagel Sainte-Rose, ici, au 198 Boulevard Sainte-Rose. Et je remercie le propriétaire, Daniel Curran, qui a généreusement accepté de nous offrir du café pour nos bénévoles ce matin et des 4 certificats cadeaux de 10$. Est-ce que ça fait le tour, M. Luc? Alors, je vous présente sans plus tarder l'organisateur de l'événement, le courageux Luc Champagne. Bravo! Il est gêné, là, mais il va dire 3-4 mots. Ah, effectivement, c'est un bel événement. On est bien heureux d'avoir une participation si importante des gens de Sainte-Rose. De belles autos de collection. On anticipe en avoir beaucoup plus l'année prochaine. On va en faire une promotion d'avance, s'assurer que l'Écho Laval continue à faire la promotion de cet événement-là l'année prochaine. Alors, merci de votre présence. Et j'espère que vous avez passé une belle journée entourée de gens qui vous apprécient. La remise des trophées et des prix spéciaux. Ce n'est pas dans l'ordre exact, donc nous allons identifier les voitures de leurs propriétaires au fur et à mesure qu'ils se présenteront devant le podium. Encore une fois, merci à tous ceux et celles qui sont venus nous encourager cette belle activité aujourd'hui. Et merci aussi au comité organisateur ainsi qu'aux nombreux bénévoles. N'oubliez pas que cette activité aura lieu encore l'an prochain et nous déciderons à ce moment-là des dates plus précises en fonction de la température.